ערב טוב ומבורך, שוב מורי ורבותיי. Je m'excuse pour l'attente, j'ai pas l'habitude de l'organiser, donc Bezrat Hashem, ce soir on étudie Parashat Hashavua, Parashat Bechukotai. Une paracha importante puisque elle va clôturer le Chumash Vaikra Torah de Kohanim. Alors donc on va étudier d'une part quel est le message que la paracha veut nous transmettre. Et deuxièmement, forcément, si c'est la paracha qui va clôturer ce Chumash, forcément elle fait partie intégrale de l'enseignement de ce qui est Torah de Kohanim, de ce qui est les Korbanot, le contact dans le service divin entre Am Israël et Akadosh Baruch. Alors, on va poser quelques questions et par la suite, j'ai envie d'expliquer une phrase qui est évoquée par le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il dit au sujet de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu a vécu 147 ans, ouf même Zaim Shalim, et grâce à toutes les générations, on est épargné de 147 malédictions. On sait que dans la Torah, on a deux parachiotes qui sont malédictions. C'est la paracha de Bechukotai et la paracha de Kitavo. Dans la paracha de Bechukotai, on a 49 malédictions. Et dans la paracha de Kitavo, 98. Même tête et tzadik chet. En tout, ça fait 147. Et il dit le Khatam Sofer que ça correspond, les années de Yaakov Avinu correspondent au klalot, donc il va falloir comprendre quelle signification ça a, qu'est-ce que ça veut dire, et rattaché aussi avec un Tosfot dans Masechet Psachim, dans la page 117, qui dit là-bas le Tosfot, que dans le Tehilim, on a 147 chapitres, vous allez tous me dire il y en a 150, mais la manière de diviser les chapitres a été discutée dans les Poskim, et Tosfot dans Masechet Psachim, il dit que dans Tehilim, on a 147 chapitres qui correspondent aux 147 ans de Yaakov Avinu. Donc, on va essayer de faire un petit peu le tour sur ces trois points. Les années de Yaakov, les chapitres dans le Tehilim et les klalot, que tous sont dans les chiffres 147. On va essayer de comprendre ça. Donc, Parashat Bechukotai, en général, on l'a associé à Parashat Behar, Mechubarot, mais cette année, on a le souhait de se focaliser seulement sur cette paracha. Cette paracha contient deux chapitres, le chapitre 26 et 27, les derniers chapitres du Chumash Vaikra. Et la Torah commence en disant Im bechukotai telechu, si vous respectez la Torah et le cheveu et vous entreprenez le chemin de la Torah, vous aurez que des bénédictions, que des brachot. Donc c'est un peu faux de dire que c'est les parachiot de malédiction puisque on a aussi des bénédictions dans ces parachiot et tout dépend d'une condition. Si on va dans le droit chemin, alors on aura le sroud d'avoir des berachot. Par contre, si on entreprend le mauvais chemin, alors là, on a les klalot qui sont 49, 7 fois 7. Ils correspondent aussi aux 49 jours du Homer et des Shemitot. Ça, on en a parlé les années précédentes, mais ce ne sera pas le sujet du shiur ce soir. À la fin de la paracha, ça c'est le chapitre 26. Le chapitre 27, il parle a priori de quelque chose qui n'a rien à voir avec que je n'aurais pas choisi ce sujet pour clôturer le Chumash Vaikra. On parle de toutes les halakhot du Erkecha. J'explique. Lorsqu'un homme désire faire un don au Beit HaMikdash, au Mishkan, il a la possibilité de faire un don d'une valeur de certaines choses. Par exemple, il peut dire que ma valeur sera donnée au Beit HaMikdash. La valeur de mon fils, la valeur de ma femme. Alors nous dit la Torah, Vaidaber Hashem el Moshe le mort, daber el bene Israël va marta lehem, ish ki afli neder be'erkecha nefashot l'Hashem. Alors là, la Torah nous dit qu'il y a plusieurs, les tarifs ne sont pas les mêmes. Quand il y a une différence entre les hommes et les femmes, vous allez voir que les femmes, a priori, leur tarif est moins cher que les hommes. Ça, bien sûr, il va falloir expliquer, sinon ça sonnera mal. Ensuite, il y a une différence entre des enfants, des bébés, à partir de 30 jours, à partir de 5 ans, à partir de 20 ans, à partir de 60 ans, des différents tarifs. Et il va falloir comprendre aussi ce passage-là.
Et quel rapport il a avec Parashat Bechukotai? Pourquoi on a choisi ce sujet-là pour terminer le Chumash Vaikra? Il y a un Rashi qui m'a interpellé, celui qui veut voir dans le Perek Kavzaïn, Pasuk Gimel. Il dit Rashi, « Vehaya erkecha, en erechze leshon damim, ela ben shehu yakar, ben shehu zol, kefi shanav ou erech hakatuv alav et parashaz. » Il nous dit en fait Rashi, et j'explique le Rashi selon l'interprétation du Sifte Chachamim, il dit qu'il y a une distinction lorsqu'on fait un don au Beth Amikdash de toutes choses qui a une valeur et les valeurs qui sont mentionnées dans cette paracha. C'est que toute chose qu'on va donner, on va donner une valeur de quelque chose, alors la valeur va être évaluée selon les données, les critères momentanés. Par exemple, si je vais donner une maison, alors on va appeler des professionnels en la matière qui vont savoir exactement quelle est la valeur de la maison, et selon ça, on va fixer, et selon ça, on va fixer Baruch Haba. Ce soir, c'est moi le technicien. Alors, donc, ça, c'est dans tout ce qui est lié à la valeur. Par contre, lorsqu'on parle des Erkecha, d'une valeur d'un homme ou d'une femme, ici, il dit Rashi, ben, en Erech Zele Shandamim. On ne va pas commencer à mesurer, est-ce que cette personne-là, combien il vaut, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Est-ce qu'il a des muscles? Est-ce qu'il peut faire des choses extraordinaires et donc son prix sera tant? Ou bien il est faible et bien son prix sera tant? Kefi akatsu, selon ce qui est fixé dans cette paracha. Donc quand j'ai vu ce Rashi, je me suis posé la question, mais pourquoi? Chaque chose a une valeur. Et si je dis je donne une valeur de moi-même, donc on devrait savoir exactement combien je vaux. Alors donc ça c'est une question au sujet des Erkecha, et bien on trouvera une explication magnifique dans le Al-Shikha Kadosh. Al-Shikha Kadosh nous explique une explication magnifique. Alors, on reprend au début de la paracha. Im bechukotai telech. Nous dirait Yachol ze kiyum ha mitzvot. Keshehu omer ve et mitzvotai tishmeru. Hare kiyum ha mitzvot amur. Amani mekayem im bechukotai telechu. Shetihyu amelim batorah. Un des Rashi les plus connus dans la Torah. Il dit Rashi que lorsque la Torah nous dit si vous suivrez le droit chemin, alors vous aurez des berachot. Et sinon, vous aurez des malédictions. Il dit Rashi, quand on parle de bechukotai telechu, c'est pas seulement de respecter les mitzvot. Parce que respecter les mitzvot, c'est marqué dans la suite. Vet mitzvotai tishmeru. Alors qu'est-ce que c'est une bechukotai telechu? En fait, la source de Rashi, c'est dans Torah de Kohanim, déjà dans les Tanaïm. Il dit, c'est quoi une bechukotai telechu? Shetihyu amelim batorah. Amelim batorah veut dire étudier la Torah avec effort. Dans le Rachaim HaKadosh, il donne un exemple. Si tu étudies quelque chose que tu as déjà étudié, que tu connais déjà à la perfection, mais tu l'aurais étudié une deuxième fois, ça s'appelle Amal HaTorah. Nous, en général, quand on va réviser quelque chose, c'est toujours pour aller chercher des nouveaux Kiddushim. Par exemple, si ce soir on est rassemblés pour étudier Parashat Bechukotai, c'est pour apprendre des nouveaux Kiddushim que je n'ai pas dit l'année dernière. Et ben, non, il dit le Rachaim HaKadosh, il dit le Amal HaTorah, c'est lorsqu'un homme est capable juste d'étudier pour l'étude, pas pour avoir des chidushim, pas pour avoir un nouveau savoir, juste pour l'étude, le Esek HaTorah, le Shem Esek HaTorah, ça, c'est un Amal HaTorah. Et il dit Rashi que pour ça viennent les Berachot. Ah, je me suis dit, bon, d'accord, c'est vrai que quelqu'un qui étudie la Torah avec effort, alors il aura des Berachot. Mais de dire que s'il n'étudie pas la Torah avec effort, que là, il y aura les Kelalot, ça, c'est déjà un chidouche, mais le Rashi le dit par la suite. Rashi dit par la suite que si on travaille à Kadosh Baruch Hu Bekeri, c'est-à-dire occasionnellement, c'est quoi occasionnellement? Un homme, il a besoin de maintenant passer la fête de Pessah. Il est obligé d'apprendre à la chôte de Pessah. Il est obligé de mettre les tefillin. Donc, ça, c'est considéré de manière araït. Araït veut dire pas de manière fixe. Mais quelqu'un qui est fixé à son limoud, lui, il sait que tous les jours, il a tant et tant d'heures d'études, chacun selon son niveau et selon sa possibilité. Mais ces heures-là, ce sont des heures qu'il va dédier au limoud, quoi qu'il en soit, qu'il ait besoin de cette étude, à la khalema, c'est qu'il n'ait pas besoin de cette étude, qu'il la connaît et qu'il ne la connaît pas. Il dit, sur ça se reposent toutes les bénédictions et les malédictions, sur le Amal HaTorah. C'est quelque chose qui m'a très, très étonné. Alors, on sait que si on est des bons juifs, on fait toutes les mitzvot, on ne fait pas d'averot, alors c'est bien. Et si on fait d'averot, alors... Mais là, on ne parle pas de mitzvot et d'averot. Là, on parle d'un niveau
a priori, il semble être loin de nous. On parle du Hamal à Torah. Que maintenant, s'il est tard et que je dois faire mon shiur de Daf Yomi et que j'ai fait une dure journée et je suis fatigué et j'ai envie de le laisser pour demain, et maintenant je dis, ben, je vais faire un effort en étant fatigué, je vais faire mon shiur de Daf Yomi. Sur ça se repose toute la paracha. Paracha de Bechukotai, vous savez que le Ramban, il dit, Rabbeinu Moshe ben Nachman, il dit, quelle est la différence entre les klalot de Chumash Vaikra, donc de Parasha Bechukotai, et les klalot de Parasha Kitavot. Là, il y en a 49, là, il y en a 98, en tout, 147. Pourquoi il y a besoin de deux parashiot? Il dit qu'à travers l'histoire, les premières malédictions, c'est tout le Khurban Bait Rishon, Bet Amigdash Rishon, et les deuxièmes klalot de Mishneh Torah, ça, c'est Khurban Bait Sheni. Et que jusqu'à aujourd'hui, on subit ces klalot. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de petites brachot et klalot, est-ce que je vais avoir une récolte, je vais pas une récolte. Il s'agit de vraiment toute la galoute qui se repose sur quoi? Sur le Hamal à Torah. Ça, c'est le point principal sur lequel ce soir, j'ai envie de m'attarder, de comprendre. Et avec ça, on va comprendre la suite de la paracha et de comprendre le rapport avec les Erkecha, avec toutes les valeurs de quel savoir. Donc ça aussi, on va essayer de comprendre les autres choses. Une autre question, très très importante, qui est relevée par pas mal de Mefarshim, ou Pliyakar et d'autres. C'est étonnant de dire que lorsque on va respecter une chose spirituelle, on aura une récompense matérielle. C'est ce qu'on voit dans la Torah. In bechukota et elechu, si vous respectez les mitzvot et vous êtes assidu dans le limud, vous faites amal la Torah, alors qu'est-ce que vous allez avoir? Venatati gishmechem beitam, vous aurez des pluies, vous aurez la parnassa. Comment on peut? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être récompensé? Est-ce qu'une chose spirituelle peut être récompensée par quelque chose qui est matériel? Et j'ai vu plusieurs tiroutes, mais je n'ai pas vu un tiroute qui vraiment... Comment tu dis que quelqu'un qui est dans le droit chemin, il recevra un Olam Haba magnifique, il va recevoir, il va avoir le sroud d'être dans l'Olam Haba avec Rabbi Shimon Bar Yochai, promets-moi des choses éternelles, des choses qui sont rouhani, parce que bien au contraire, plus on étudie la Torah et plus on voit que toutes ces promesses de gashmiou, de matériel, ça nous parle moins. Si je dis à quelqu'un qui est à Maharetz, il ne sait pas, il n'étudie pas, il n'est pas rattaché à la Torah. Tu lui dis, regarde, Akash Baruch Hu va te faire une bracha, beaucoup de parnassa, un bateau, une maison de vacances. Comment? Ça lui parle. C'est dans ces... On est en train de parler. Je le rachetais le match. Je lui dis, vous êtes Hachem, vous faites une bracha, vous ayez un beau yacht, une belle villa. Ça ne lui parle pas. Donc, a priori, ces brachot sont contradictoires. Tu dis, si tu seras Amel Batora, tu vas recevoir un gashmiut magnifique. C'est vraiment contradictoire. Ce n'est pas une bracha. Ça considère que la richesse peut être un plus grand isayon que la pauvreté. Donc ça, c'est aussi une chose étonnante qu'on va essayer de comprendre. Le Or Haim HaKadosh de cette paracha, de ce début de paracha, c'est un Or Haim HaKadosh qui est très, très connu parce qu'il est raconté tous les ans. À mon avis, tous les ans, il n'y a pas une iloula de Or Haim HaKadosh de Or Haim HaKadosh de Parashat Bechukotai. Le Or Haim HaKadosh sur Parashat Bechukotai, sur les mots Im Bechukotai Telechu, donc sur le Hamal HaTorah, donc c'est le sujet qu'on focalise ce soir, il a pas moins que 42 pirushim, 42 explications, et on n'a pas une qui se ressemble à l'autre, et on n'a pas une qui ne correspond pas au passou. Il faut être vraiment gaon comme le Or Haim HaKadosh pour pouvoir donner 42 pirushim sur deux mots, Bechukotai Telechu. Et on raconte, donc entre parenthèses, si déjà, on raconte que le Or Haim HaKadosh, il avait pris sur lui à une certaine époque, il s'était pris une galoute. Il voulait travailler, entre autres, la mida de la Hanava. Et donc il a dit, moi je vais aller dans un endroit où personne ne me connaît, où on ne me fera pas d'honneur, et où on ne dira pas le Rav, Rabbi Chaim Ben Attar, Or Haim HaKadosh.
Et je vais recevoir des bisounottes parce que je vais devoir être, je vais demander à être invité, les gens ils vont me dire non, etc. Je vais en galoute. Donc il va dans un certain endroit, dans une certaine ville, et arrive Erev Shabbat. Erev Shabbat, il vient au Beth Knesset. Dans le Beth Knesset, il y a le Rav de la Kehila. Le Rav de la Kehila commence son Dvar Torah de vendredi soir. Et il dit, Morai Verabotai, ce Shabbat, on a une paracha particulière, c'est la paracha de Berukotai. Et on va donner 42 explications sur ces mots-là. On ne va pas dire tous les 42 maintenant, on va dire 14 maintenant, 14 demain matin au Kiddush, et 14 à Saouda Shlichi. Et ces explications ont été données par le Gaon Agadol, le Tzadik, Gdol Ador, Chassida Kadisha ou Prisha, Rabbi Chaim Ben Attar ou Chaim HaKadosh. Et là, le Roi Chaim, qui était dans la pièce, personne ne savait qui c'était, il se lève et il dit, ah, je le connais, c'est ni un Gdol Ador, ni un Rav, ni un Chassida Kadisha ou Prisha. Appelez-le Chaim Ben Attar. Dès qu'ils ont entendu ça, un bruit qui commence à se réveiller dans la synagogue, pour qui se prend celui-là? Qu'est-ce qu'il est mésalzel dans le Gdol Ador? Ils sont allés chez celui qui l'a invité. Ils m'ont dit, regarde, t'as un invité, c'est très bien, je vais faire la Satan prime. Mais s'il donne pas assez de respect aux grands de la génération, il n'a pas de place dans notre synagogue. Donc, avertis-le, si il continue dans ce comportement, on ne le veut pas dans notre synagogue. Il a dit, d'accord, je vais le faire taire. Il a fait taire. Il lui a dit, Moshe, tais-toi. Et donc, le Rav a donné les 14 pirushim magnifiques du Rochem HaKadosh. Le lendemain matin, au Kiddush, le Rav de la Kehila, il dit, Mourav Taï, on continue les 14 Pirushim, 14 prochains Pirushim, du Gaon Agadol, Ora. Et donc, il continue, donc, comme j'ai dit tout à l'heure. Et Moshe, qui est Rabbi Chaim Ben Attar, se lève et il dit, non, lo Rav, velo Chacham, velo Gadol. Et là, les gens, ils ont commencé à dire, sors de la synagogue, En Nechama La'asotkan, tu es mes alzel. Et celui qui l'a invité, il vient, il demande pardon au Rav de la Kehila. La Kehila dit, regardez, je ne sais pas ce qui lui arrive, celui-là, il avait l'air bien. Bon, laissez-le. Seouda Shlichit, le Rav, il se lève pour faire la drasha de Seouda Shlichit. Et à nouveau, il commence à faire des éloges sur le Rahim Akadosh. Et Rabbi Chaim Ben Attar, il se lève, le Rav et le Chacham, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une chambre, ils l'ont enfermé. Ils l'ont oublié là-bas. Motsaï Shabbat, arrive la Havdalah. Il y a certaines qui d'autres qui ont le minhag de faire Havdalah au Beth Knesset. Ils viennent pour faire Havdalah. D'un coup, c'était en plein été, par Jacques de Choukotaï, c'est l'été. Et d'un coup, il y a un vent qui se lève. Et à chaque fois qu'ils viennent allumer la bougie, ça s'éteint. À chaque fois qu'ils viennent allumer la bougie, ça s'éteint. Et une tempête. D'un coup, une tempête. D'un coup, le Rav de la Kehila se rappelle qu'ils ont enfermé, depuis Seouda Shlichit, ils ont enfermé ce pauvre juif. Il a dit, peut-être c'est une Kpeda. Donc, je raccourcis l'histoire. Finalement, il s'est avéré que Rabbi Chaim Ben Attar, tant qu'il ne fait pas la Havdalah, il n'allume pas la bougie, vous savez que Motsaï Shabbat, les Neshamot, qui doivent subir le Gehenom, ils attendent Motsaï Shabbat pour rentrer dans le Gehenom. Et quand on rentre dans le Gehenom, lorsque la flamme de la bougie se rallume. Dès qu'elle se rallume, le feu du Gehinnom, il se rallume. Alors, tant que Rabbi Chaim Ben Attar n'allumait pas sa bougie, les gens n'avaient pas de, les personnes, les Neshamot n'avaient pas de tikkun dans le Gehinnom. Et c'est comme ça qu'ils ont compris qu'en fait, la personne qu'ils ont mis dans cette pièce et qu'ils ont dit tout le Shabbat, il est mezalzel, c'était Rabbi Chaim Ben Attar en personne. Donc, bien sûr, ils lui ont demandé Mechila, etc. Donc, ça, c'est, entre parenthèses, une histoire sur Rabbi Chaim Ben Attar. Alors en fait, pour pouvoir répondre à toutes nos questions, en quelques phrases, je vais donner juste nos questions. Comment ça se fait que sur des choses spirituelles, notre récompense est des choses qui sont matérielles? Deuxièmement, quel rapport avec la paracha des Erkecha, du RR, de la valeur de la personne? Et troisièmement, comment ça se fait que dans les valeurs de la personne, on ne va pas selon la valeur qui est actuelle et selon ce que la Torah nous dit? Alors en fait,
le chiour, on va le résumer avec une seule phrase. Le chiffre 147. Entre les klalot, comme j'ai dit, les klalot de Bechukotai et Kitavo, on a 147 klalot. Yaakov Avinu a vécu 147 ans. Et le Tehilim, il dit Tosfot Maseret Psachim, contient 147 chapitres. Il vient le Khatam Sofer et il dit, sache que ce qui va te sauver des klalot, c'est Yaakov Avinu parce qu'il a vécu 147 ans. Quel rapport ? Le Khatam Sofer ne nous dévoile pas. J'ai vu un autre Sefer qui le ramène au nom du Arizal, encore plus ancien, mais l'explication ne nous est pas dévoilée. Par contre, qu'est-ce qu'on a dans notre paracha ? On voit que Yaakov Avinu est mis en avant. Donc, je vous demande de regarder dans le Perek Kavav, vers la fin du Perek, je vous donne tout de suite le Passouk, dans le Passouk Membet. Il dit le Passouk, « Vezacharti et beriti Yaakov » il est marqué Yaakov avec un Vav, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. Donc il dit, en fait, à Kadosh Baruch Hu, il dit que suite à toutes ces malédictions, 49 malédictions qui sont mentionnées dans cette paracha, si toujours vous n'allez pas faire tchouva, alors ce qui va vous sauver, c'est que je vais me rappeler, je vais mettre en mon souvenir l'alliance avec Yaakov Avinu, et aussi l'alliance avec Yitzhak, et aussi l'alliance avec Abraham. On commence par Yaakov, et aussi Yitzhak et Abraham. Rashi, tout de suite, il pose la question. Il dit, « Lama nimnu avot achoranit, klomar, kedai ou Yaakov akatan lekar, veimeno kedai are Yitzhak imo, veimeno kedai are Abraham imo, sheu kedai. » Il dit, en fait, Rashi, une réponse simple. Il dit que, pour dire que même un petit Srout pourra les sauver, et sinon un plus grand, et sinon un plus grand. Mais on peut dire peut-être l'inverse de Rashi. Selon ce qu'il dit le Arizal, le Khatam Sofer, que c'est par les 147 ans de Yaakov Avinu qu'on va être épargné des 147 klalot, et donc on va être sauvé, on va avoir la Géoula, parce qu'on a dit que les 147, il dit le Ramban, ça correspond à la galoute du Bayit Rishon, la galoute du Bayit Sheni, donc en fait la Géoula. Toute la galoute se repose sur quoi ? Sur Yaakov Avinu. Maintenant, d'où le Khatam Sofer et le Arizal, ils apprennent. Peut-être du Rashi qui le précède. Qu'est-ce qu'il dit Rashi d'avant ? « Vezacharti et beriti Yaakov, bechamisha mekomot nichtav male. » Dans cinq endroits, le nom Yaakov n'est pas marqué « Yud Ayn Kuv Bet », mais il est marqué avec un « Vav »,« Katuv male. » Et dans cinq endroits, Eliyahu Hanavi, il est marqué « Chasser », sans « Vav ». Tout le monde connaît « Et Eliya » Anavi. Il y a aussi des endroits, cinq endroits où Eliyahu Anavi est appelé Elia, pas Eliyahu. Il dit Rashi, Yaakov natal ot mishmo shel Eliyahu eravon. Yaakov Avinu, il a pris en gage une lettre de Eliyahu. C'est pour ça que les cinq endroits où Eliyahu, on lui a pris son vav, ils ont été placés où ? Dans le nom de Yaakov. C'est pour ça que cinq endroits est au Khaser et Yaakov Malé. Et pourquoi il a fait ça ? Chez Yavov et Evaser Geulat Banav. Parce qu'il dit Yaakov Avinu, je te prends en gage que tu viendras, parce que celui qui annoncera la Geoula est né à Nochishach Lachem, c'est Eliyahu Hanavi. Alors donc je prends en gage pour que tu sauves et que tu délivres mes enfants. Donc en fait, on voit dans ce Rashi, il y en a deux Rashi un petit peu contradictoires. Un Rashi qui dit que la Geoula sera déclenchée grâce à Yaakov Avinu. Et le Rashi d'après, il dit a priori autrement. Mais moi, on va se focaliser sur ce Rashi. Plusieurs explications ont été données sur ce Vav qui a été pris. On en a parlé les années précédentes. Mais le Kivun, donc le Yesod, l'idée que j'ai envie de parler ce soir, c'est de la notion du Amal à Torah. Yaakov Avinu, on sait qu'il est l'amida de la Torah. Avraham, c'est Midat Adin, Midat Chesed, Yitzhak, Midat Adin, Yaakov, c'est Tiferet. Et on dit Titen Emet le Yaakov. C'est quoi Emet ? C'est la Torah. Yaakov, c'est connu. Il est Midat à Torah. Et quand on veut parler de la Torah, tout le monde avait la Torah.
Avraham, Yitzhak, et Marie, que les Avot, ils ont été mécaillés, même Eruvé Tavchili, donc ils faisaient la Torah, ils connaissaient la Torah. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Yaakov Avinu, il est Midat à Torah? Peut-être que Yaakov Avinu, il nous enseigne ce que c'est Aman à Torah, et d'où je l'apprends. Quelle est la différence entre quelqu'un qui fait toutes les mitzvot, mais que son étude, elle est Arai, c'est-à-dire il étudie vraiment ce qu'il a besoin, il a besoin de faire Ilchot Filin, donc il apprend Ilchot Filin, il fait Birkat Hamazon, il étudie vraiment l'Omed al-Menat la'asot. Mais il n'est pas l'Omed al-Menat l'Ilmod, comme il dit le Orachaim, que c'est ça le Aman HaTorah. Quelle est la différence entre celui-là et celui qui étudie pour étudier? On pourrait expliquer que quelqu'un qui étudie Be'Aman HaTorah, quelqu'un qui étudie vraiment de manière à ce que pour lui, tout est secondaire, tout va devoir lui servir pour pouvoir étudier. C'est-à-dire que toute la journée, il va calculer sa journée. Voilà, je vais faire ça et ça et ça, je dois travailler, je dois aider les enfants, et tout ça pour finalement me cadrer mes heures de limoud. Il fait son limoud keva. Et tout le reste, un rail. Alors quelqu'un qui étudie la Torah avec cette approche, la Torah, elle va lui faire un changement dans sa Ashkafat Olam, c'est-à-dire dans la manière comment il observe le monde. Quelqu'un que pour lui, le Amal HaTorah, c'est le principal, il va s'imprégner de la sagesse de la Torah, et donc tout ce qu'il va faire dans la vie, tout ce qu'il va réfléchir, tout ce qu'il va prendre comme décision, seront des décisions puisées par la Chokhma de la Torah. Celui qui n'est pas Amel, qui n'a pas de Amal HaTorah, il étudie juste ce qu'il a besoin. Il n'est pas imprégné, il a trouvé les lois qu'il a besoin. Mais quelqu'un qui est Be'amal HaTorah, toute sa Ashkafat Olam va changer. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre chez Yaakov Avinu au sujet des Parim Ktanim. Les Parim Ktanim, tout le monde connaît la question, comment est-ce possible que Yaakov Avinu, quand il a passé la rivière, il a fait passer toute sa famille, et après il est revenu prendre des petits ustensiles, des petites bottes de conserve, des petites fioles. Puis quoi, Nefesh? Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Le tzadikim, chaviv alehem mamonam yoter migufam. Les tzadikim, leurs biens sont chers à leurs yeux plus que leur corps. Excuse-moi. Au contraire, un tzadik, plus les tzadik, et plus ses biens, ils ont le shavé shundavar. Ben non. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas, les mefarshim? Qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils disent qu'un homme qui est au courant qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a envoyé comme matériel, ça vient pour servir pour le spirituel, donc il va. En aucun cas, il sera mévater, il va laisser de côté, il va laisser tomber même une petite fiole qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Parce que renoncer sur la petite fiole, c'est renoncer sur un potentiel de spiritualité qu'il aurait pu atteindre grâce à cette petite fiole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui étudie la Torah, sa hashkafa, la manière où il observe le monde, elle est complètement inversée de tout ce que les autres pensent. Pour lui, chaque chose qu'il y a dans le monde, chaque création qu'il y a dans le monde, chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie, chaque shekel qu'il a en plus dans son compte en banque tous les mois qu'il reçoit sa paye, chaque chose, elle a un potentiel spirituel. Il ne regarde pas la matière en étant matière comme celui qui n'a pas cet Ashkafa, celui qui n'est pas un Amel HaTorah, mais sa Ashkafa, elle change. Ça, c'est ce que Yaakov Avinu nous enseigne. Yaakov Midat HaTorah, il nous transmet à Israël que la Torah, ce n'est pas seulement un livre de loi, mais c'est un livre avec lequel on va devoir l'ilmod, almenat l'ilmod. Je me suis posé la question, quel est le but d'étudier pour pouvoir étudier? On étudie l'ilmod, almenat l'asot, Torah, milashon, hora'a. Tu veux savoir qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie? Alors, étudie la Torah et tu vas savoir ce que tu dois faire. Non! Et je vais vous lire les paroles du Rachaim Makadosh, ce n'est pas moi qui invente. Il dit le Rachaim Makadosh. C'est quoi im bechukotai telechu? Vetam shekara hakatuv amal haTorah chuka. On voit non seulement ça que le amal haTorah il s'appelle chok. Le tzad sheyesh ba mitzvah afilu lilmod dvarim shel madam pa'amayim veshalosh vehem yeduim etzlo. Lui, il a étudié Parashat Bechukotai avec tous les Mefarshim, avec toutes les Kushiyot, toutes les Tirutzim. Et il a réétudié une deuxième, une troisième. Il n'a aucun Chidouche.
Mais il étudie parce qu'il a du temps. Et il dit le Orachaim, qui chafetz Hashem be'esek haTorah. Chuka chakak. C'est une loi. Il a un inyan que tu étudies, ne serait-ce que pour étudier. Et il ramène le Kohelet Rabba, un Midrash Rabba dans Kohelet, qui dit que pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé l'oubli. À l'éveil qu'on se rappelle de ce qu'on étudie. Moi, la vérité, Baruch Hashem, que les gens, ils oublient. Moi, je répète mes chouris, les gens, ils oublient, je suis content. Mais moi-même, j'oublie. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il ne nous a pas celui que vraiment il veut étudier la Torah pour la connaître. Alors, Kadosh Baruch Hu, qu'il fasse une bracha, n'oublie pas. Alors, vous savez ce qu'il dit le Orachaim Kadosh, il explique ce Midrash. Il dit qu'il est tam sheilmad adam Torah becheshek tamid. Kadosh Baruch Hu, il veut te faire un chesed, de te faciliter à étudier à chaque fois avec envie, avec cheshek. Alors, gazra chochmato, shi'a adam lomed veshochach. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a décrété que tu étudies, ben, tu vas oublier. Après, tu vas réétudier une deuxième fois, tu t'en rappelleras mieux, mais tu vas quand même oublier. Et tu ne vas pas te rappeler de tous les détails, tous les pratiques. Tu as étudié le Chod Shabbat, c'est vrai que tu as étudié le Chod Shabbat. Est-ce que tu te rappelles de chaque Biur Halakha? Tu te rappelles de chaque Sharat Siou? Non. Eh bien, réétudie. Akash Baruch Hu, il te facilite la tâche. Mais l'objectif, l'idéal, d'étudier, même si je me rappelle de tout. Donc, en fait, c'est ça. Maintenant, pourquoi c'est si important? Et pourquoi ça clôture le Chumash Vaikra? Le Chumash Vaikra, c'est Asherat Ashrina. C'est la Shrina qui est parmi nous. Et les klalot, c'est faire repartir la Shrina. C'est le Ruban Bayit Rishon, Ruban Bayit Sheni. Qu'est-ce qui va faire résider à Kadosh Baruch Hu dans ce monde? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a décidé, pourquoi l'homme il est plus grand qu'un ange? Alors, j'ai vu dans le Nefesh HaChaim, dans le Shar HaRishon, il dit le Nefesh HaChaim que les Malachim, ils n'auraient pas pu faire le Tikkun. Ce qu'Akadosh Baruch Hu désire dans cette création. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ceux qui viachol cette dégradation. Nefesh Ruach Neshama, à partir du corps, les Ma'asim, Marshava, Dibur ou Ma'asé. Justement, par les actions ici, on pourrait expliquer que Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir se dévoiler. Gilou Yamalchut, il va pouvoir affirmer, pas affirmer, mais dévoiler sa royauté, justement par les actions d'un juif. Et plus un juif, il est imprégné de la matière, de la gashmiut, c'est étonnant ce que je veux dire, mais plus un homme, il a des biens et il a un rapport avec la gashmiut, mais il va donner une interprétation, une ashkafa de Amal HaTorah, c'est-à-dire qu'il va donner un aspect rouhani, spirituel à chaque matière, il va donner un but spirituel à chaque créature. Ça, c'est Gilui Malchuto et Barak. Ça, c'est dévoilé vers où kol ha'amim qui shem Hashem ikra alecha. La Géoula, elle sera quand tout le monde verra Kadosh Baruch Hu. Comment on voit Kadosh Baruch Hu? Si à Kadosh Baruch Hu, il se voit de chaque chose. C'est ça aussi le sens de la Shemitah. On en a parlé un peu la semaine dernière. Le sens de la Shemitah, c'est que toutes les nations, et qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir, c'est impressionnant. On a tout un pays, tout Eretz Israël. Ils ne travaillent pas pendant la 7e année. Et quand il y a eu le Yovel, des fois, c'est 2 ans de suite. Ils ne travaillent pas, ils ont une bracha magnifique. Alors là, ils voient la main d'Akadosh Baruch Hu à travers la matière. C'est-à-dire que, pas comme on aurait pu penser un juif, ben, le maximum, éloigne-toi de la matière, tifrosh mina olam, éloigne-toi du monde. Ben non. La malchut, elle peut être mitgalet, elle peut se dévoiler lorsque on va utiliser chaque chose de gashmiut et on va lui donner un sens rouhani, un potentiel. Avec une gashmiut, on peut avoir un potentiel rouhani. C'est ça ce qu'on apprend de Yaakov Avinu. Et c'est pour ça que la Shrina réside parmi nous et que la Malchut, elle se dévoile. C'est comme ça qu'on peut contrer les Klalot. Et maintenant, je comprends le Khatam Sofer et le Harizal. Il dit le Khatam Sofer et le Harizal. Yaakov Avinu, il a vécu 147 ans, ça correspond à 147 Klalot. Je comprends que Yaakov Avinu, que c'est Midat HaTorah, qui nous a enseigné qu'est-ce que c'est observer le monde. Ouvrir les yeux sur le monde avec une optique de Amal HaTorah et pas une optique de Torah Be'arai, alors c'est justement lorsqu'on va avoir la Mida de Yaakov Avinu, on va donner un sens de Rouhaniut à chaque matière comme Yaakov Avinu l'a fait. Chazar al Parim Ktanim, même pour des petites fioles. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un potentiel de Rouhaniut dans cette fiole. Alors à ce moment-là, on comprend
que ça va nous enlever toutes les clalotes et que la Shrina elle va revenir, résider parmi nous. Il y aura la Géoula, Shlema. Maintenant, quel rapport avec le Erkecha? C'est quoi les Arachim? Regardez dans le Perek Avzaïn. Perek Avzaïn, on a différents tarifs. Perek Avzaïn, à partir de Pasuk Alef. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת איש כי יפלי, פסוק ג', ויה ערכך. Alors vas-y, c'est quoi le ערך? הזכר, lorsqu'on parle d'un garçon, מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה, dans la tranche d'âge entre 20 et 60 ans, 50 שקל כסף. La valeur d'un homme, de cet âge-là, c'est 50 שקל כסף. ואם נקבה, par contre une femme, c'est 30 שקל כסף. 30. Les femmes, ils valent moins qu'un homme. Je vais me faire massacrer. On aurait dit le contraire. Attends, on va voir. Ensuite, on continue. Imi ben chamesh shanim ve'at ben esrim shana, de 5 à 20 ans, azachar esrim shkalim. D'accord? Le garçon, 20 shekels. L'anekeva, aseret shkalim, 10 shekels. Elle a la moitié. Mi ben chodesh ve'at chamesh shanim, à partir de 1 mois. Pourquoi on ne va pas avant 1 mois? Parce qu'avant 1 mois, lo yatsa michlal nefel. On ne sait pas s'il va vivre. C'est pour ça qu'on fait le pidyon aben qu'à partir de 30 jours, parce que c'est là qu'on s'assure qu'il a, il est bar kayama. Alors, à partir de 1 mois jusqu'à 5 ans, chamesh shekalim, 5 shekels, vela nekeva, shlosha shekalim. Veimi ben shishim vamala, vaya erkecha, chamisha asar shekel, vela nekeva asara. 15 et 10. Il vient le bar la tourine. Dans la Tourim Nifla Beyoter, où j'ai fait une recherche sur Otsar Chokhma et j'ai vu qu'il a fait beaucoup de bruit sur Baal HaTourim, tout le monde est maqué sur lui des Kouchiot. Il dit le Baal HaTourim, Be Parashat Arachim, Yesh Sachakol Kuf Mem Gimel Shkalim. Si on fait le calcul de tous les Shkalim, les hommes, les femmes, les âges, en tout 143 Shkalim, Kuf Mem Gimel. Il dit, ça vient être Mechaper sur quoi? Sur même Heklalot Shebevaïkra, ça veut dire Mechaper les 45 Klalot de notre paracha, et les 98 Klalot qui sont dans Chumash Devarim, ça racole Kouf Mem Gimel, 143. Alors vous allez tous me demander, il n'y en a pas 45 dans le paracha, il y en a 49, tous les Sfarim. Faites une recherche sur le Baratourim, tout le monde pose cette question. J'ai vu un Tirouz. Il dit c'est vrai, il y a 49 Klalot, parce que c'est 7 fois 7, et comme il dit, Shivratayim. Mais il dit, c'est quoi les chaper à l'arbaïm et chamesh klalot? Ça veut dire que les shkalim vont pouvoir être mes chaper sur toutes ces klalot. Maintenant, on a quatre dernières klalot qui manquent dans le compte. Ça, c'est silou kashrina. Silou kashrina, c'est quelque chose qui va se faire à partir d'un travail personnel. Ça, les shkalim, ils vont pas pouvoir nous aider. Ou bien, dès qu'on va voir la kapara des shkalim sur les 45 klalot, alors après, les quatre, ils vont venir. C'est un tirout, c'est un peu d'achouk, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit le Baal HaTourim. Et la source, elle est dans un midrash qui est marqué au nom de Rabbi Pinchas Ben Yair. Donc, c'est un midrash qui dit « Sarakol Kouf Mem Gimel ». Donc, ça ne correspond pas aux 147 que j'ai dit tout à l'heure. Mais en tout cas, le Baal HaTourim, il fait un rapport entre les klalot et les shkalim. Il dit « On a le même chiffre. 143, 143, ça va être Mechaper. » Comment ça va être Mechaper? Le Kli Yakar, il explique. Il dit « Parce que lorsque les gens, ils sont Betsara, les gens, ils vont avoir 143 klalot. » Alors, il y a une habitude chez Amisraël, quelqu'un qui a des tzarot, il fait de la tzedaka. Il fait des nidre tzedaka. Alors, justement, les shkalim, c'est un pidyon. Donc, justement, les shkalim, ils vont venir être mechaper sur les klalot. Ça, tes routes. Regardez ce qu'il dit le Al-Sheikh HaKadosh. Al-Sheikh HaKadosh, il dit, ça va en iflabiote. Et ce Al-Sheikh HaKadosh, il va compléter l'idée que je suis en train d'essayer de dire. Il dit le Al-Sheikh HaKadosh, Rabbeinu Moshe Al-Sheikh. Vehu, ki hazachar mi ben chodesh, sheyatsa michlal nefel, chamisha dvarim tovim imatzku bo. Pourquoi un bébé, à partir de 1 mois, jusqu'à l'âge de 5 ans, un garçon, pourquoi il vaut 5 shekels? Et non seulement ça, j'ai dit au début du shiur, j'ai ramené le Rashi, que Rashi, il dit qu'on ne va pas selon le RR,
On va pas selon la valeur quand on va dire voilà ce bébé il est en bonne santé combien. Non, il y a un RR Katsu. Pourquoi on va selon RR Katsu? Là, Cheikh Akadosh, il me répond à cette question. Il dit parce que la valeur, quand on va donner la valeur sur quelqu'un, on ne va pas donner la valeur sur la gashmiyout de la personne. Il est musclé, il n'est pas musclé, il peut faire ça, il ne peut pas faire ça. Quelle capacité il a, quelle intelligence, quel métier, combien il peut rapporter. Quand on observe quelqu'un qui a le Hamal à Torah, hein, quand il observe, il ne regarde pas comme ça. Qu'est-ce qu'on regarde? Combien de mitzvot il rapporte? Alors il dit, ça c'est, il ne dit pas la Cheikh Akadosh, mais quand on va lire la Cheikh Akadosh, on voit que ça y est, ça tu le sais. Il dit, un bébé, à partir de l'âge de 1 mois, il nous a rapporté 5 bonnes choses. C'est pour ça qu'il vaut 5 shekels. Echad, metzi otu atzmosh, ou ben kayama, mitgadel avodet Hashem. Première chose, qui peut être un juif qui va travailler Hashem. Ça, c'est un shekel. Vegam aviv zoche aliado berbat varim brit mila. Grâce à lui, son père a accompli la mitzvah de brit mila. Pidyon aben, keshehu mi ben chodesh. Piria verivia. Son père, il a accompli aussi cette mitzvah. Et quatrième mitzvah, qu'en fait, c'est la cinquième. Chez Aliado, Mekayem, mitzvah, tzedakat midit. Un homme, quand il nourrit ses enfants, il accomplit une mitzvah. La Gemara dans Ketubot, Dafnoun, elle dit que en cette tzedaka bechol et, est marqué dans le Teilim, c'est quoi en cette tzedaka bechol et? C'est un homme qui donne à manger à ses enfants. Il fait de la tzedaka avec des pauvres. Alors, il dit, et pourquoi le garçon, il a une valeur de 5 shkalim? Parce qu'il rapporte 5 mitzvot. Et pourquoi la fille 3 shkalim? Parce que la fille, elle n'a pas la brite et pas le pidyon aben, donc il reste seulement qu'elle va être Ovedet Hashem. On fait de la tzedaka avec et on fait piria verivia. C'est-à-dire que je vois dans le Cheikh Akadosh qui nous explique que la valeur d'un homme dans cette paracha, ce n'est pas une valeur gashmite, mais c'est un potentiel rohani. Il continue le Cheikh Akadosh. Ça, c'est de la tranche d'âge de 1 mois jusqu'à 5 ans. Umi ben chamesh, animat ben esrim shana. Mais az achadim lo yechashvu ki ma'asiriyot. Là, maintenant, à partir de 5 ans. Maintenant, un enfant, à partir de 5 ans, il commence à étudier vraiment des choses. La fille, elle vraiment commence à faire des bonnes actions. Maintenant, on passe de achadot, de pièces de 1 shekel, à des pièces de 10 shekel. Vehu, ki bazman ahu yesh bo shnei dvarim gdolim la zachar. Le garçon, il a 2 choses positives. Torah ve mitzvot, parce que jusqu'à maintenant, il n'étudiait pas, mais maintenant, Ben Chamesh la Migra, à partir de 5 ans, il va commencer à étudier, Ben Esser la Mishnah, Ben Chamesh la Gemara, ça c'est la Torah, donc il a l'étude de la Torah. Et non seulement ça, il a les mitzvot. Donc il a, combien il vaut, à partir de 5 jusqu'à 20 ans, Esrim Shkali. 2 choses grandioses. Ava la Nekeva en ba Torah, rak mitzvot. La Nekeva n'a pas l'étude, elle a seulement les mitzvot. Alors donc il y a la Isur Echad, Asara Shkali. On continue. Umiben esrim shana atishim, à partir de 20 jusqu'à 60. Az uzman kol avodat Hashem. D'accord, la majorité de l'avodat Hashem, elle se fait quand on n'est pas trop jeune et on n'est pas trop vieux, entre 20 et 60 ans. D'accord. 20 et 60. Ben esrim ve'ad ben shishim. Ah ben shishim. Ok. Alors il dit, un homme dans cette tranche d'âge, il est mikra, mishna, talmud, agadot, mitzvot. Ça, c'est une bonne chose. Vela nekeva, chez Arba, Enba, elle a passé 4 choses. Va chamishit, gam kenen la bechlemut. Parce que la femme, elle ne fait pas toutes les mitzvot. Elle a mitzvot assez chazman gerama, qu'elle est ptoura. Mais par contre, elle a 3 choses. Que c'est quoi? Nida, halad, la kataner. 3 mitzvot que c'est son métier. Alors, alken, yerka, shalosh, asarot. Donc, c'est pour ça qu'elle a 3 mitzvot principales, 30 shkalim. Tandis que l'homme, il a 5 choses, donc Chamishim Shkali. Ensuite, Uben Shishim Shanavama, là, à partir de 60 ans, Tasha Shakoach Mila Asok Batora. Un homme, il a moins de force d'étudier à partir de cet âge-là. Et Uba Mitzvot, il peut faire moins de Mitzvot. Veshiur Atashut Koach Uba de Minkar. Et quelqu'un qui n'a pas de force, donc il y a vraiment ses. C'est remarquable la différence de ce qu'il pouvait faire. Un homme, il dit, ouais, ça, je pouvais faire quand j'étais jeune. Ça, aujourd'hui, je ne peux plus faire. Et il dit toujours aux jeunes, vous, les jeunes, vous pouvez faire ça. Alken, mi chamishim, ni charou chamisha asa. À partir de 60 ans, de 50, il descend à 15.
Aval Aisha, Erka, Vekocha, lo yored kolkar. Les femmes, à partir de 60 ans, ils ont plus de force que les hommes à partir de 60 ans. Donc, le tarif, il descend un peu moins. De 30, il descend à 10. C'est pas comme l'homme de 50 à 15. Dramatique, la descente. Là, donc en fait, le Al-Sheikh HaKadosh nous a dit que les tarifs ici, c'est des tarifs de valeur. C'est pas combien il vaut. On n'est pas en train de mettre en vente des hommes, des femmes, et de dire oui, les femmes, ils sont moins que les hommes. Non, on est en train de donner la valeur de potentiel associé. Les klalot et les brachot, bechukota et telechu, amal Torah, au arachim. Que notre but et notre travail dans l'étude de la Torah, il est de se transformer. Si on veut ramener la Shrina, si on veut que la Malchut, elle soit mitgalet dans ce monde, et que Akadash Baruch Hu réside et fasse construire le troisième Beit Hamikdash, on est obligé de faire ressortir la Malchut d'Akadash Baruch Hu à travers chaque chose dans le monde. Et pour ça, on a besoin de Amal à Torah. Parce que quelqu'un qui est Amel ba Torah, quelqu'un qui est investi dans la Chokhma de la Torah, donc toute matière qui est en contact avec lui prend une autre dimension, prend une autre définition. Et maintenant, j'ai envie de rattacher. On a dit que ça, c'est les 147 klalot avec 147 ans de Yaakov de la Torah. Maintenant, Tosfot dans Psachim, Davkuf Yud Zayin, il dit qu'il y a 147 chapitres de Tehilim qui sont comme les années 147 ans de Yaakov Avinu Alav Hashem. Comment on peut rattacher ça? Comment on peut être Mechaber? Deux choses on peut expliquer. Tout d'abord, David Ameler, c'est Midat HaMalchut. Malchut, c'est celui qui fait résider la royauté d'Akadash Baruch Hu dans ce monde. Deuxièmement, David Ameler, dans son Sefer Tehilim, qu'est-ce qu'il a fait? David Ameler, il y a quelque chose de spécial dans Tehilim qu'on ne retrouve pas dans toute la Torah Kula, dans tout le Tanakh, les Anuf Dati. C'est que David Ameler, dans Tehilim, il fait retrouver la présence d'Akadosh Baruch Hu dans la création. L'exemple le plus simple, c'est Psouké des Imra. Tous les matins, on lit Psouké des Imra. Qu'est-ce qu'on lit dans cette Psouké des Imra? Alléluia et Hashem in Hashamayim, Kol Korve Or, Shemé Hashamayim. On fait retrouver, c'est-à-dire quoi Alléluia Shemé Hashamayim? Est-ce que le ciel, il va faire des... Eh bien non, c'est qu'un homme, quand il va voir Shemé Hashamayim, il va voir les Kochavim, il va voir... Les animaux, il va tout, alléluia, il va faire ressortir, c'est-à-dire que la création, elle va, à travers les actes de l'homme, la création, elle va faire des... On va pouvoir donner une autre explication. J'en ai un exemple simple. Quelqu'un qui a construit une yeshiva. Il est allé ramasser des milliers de shekels et il a fait un grand investissement pour voir. Il est en train de faire de la matière. Mais si, dans cette yeshiva, il n'y a que des grands talmidei chachamim qui sortent de cette yeshiva. Et les gens vont dire, waouh, tu sais, de cette yeshiva, cette yeshiva, elle fait sortir des grands de Torah. Et quand tu passes à côté de la yeshiva, tu entends la voix de la Torah, les bachurim qui crient pour pouvoir comprendre un tosfot. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens, quand ils vont passer, ils vont voir une matière. Mais les gens, ils ne voient pas la matière. Ils ne voient pas les millions qui ont été investis, ils ne voyaient pas les pierres, ils ne voyaient pas les vitres, ils ne voyaient pas les céramiques, ils ne voyaient pas le marbre qui a été placé. Ils voyaient la rouhaniout, le potentiel rouhani que ça a apporté. C'est ça ce qui nous enseigne David Ameler. David Ameler qui est le support de la malchoute dans ce monde, forcément il avait ça, la Torah. Quand on voit que David Ameler, même le jour où il est Nifta, le Malachamavet, la Gemara dans Shabbat, la Flamed, elle dit que le Malachamavet, il voulait venir, et il ne pouvait pas jusqu'à qu'il a fait le bruit, parce que l'optique de Amal HaTorah, elle nous fait transformer toute la création en une présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but du Meler, la Malchut. C'est ça le but de la Torah, Yaakov Avinu. Donc en fait, on a rattaché ces trois choses. 147 ans de Yaakov correspondent à 147 klalot et correspondent aux 147 chapitres de Tehillim. Baruch Adonai le'olam. Amen et Amen. Amen.